Salut à tous, lundi 12 février, premier jour d'entraînement. Aujourd'hui, on va partir sur du vélo et de la course. On va commencer par le vélo sur home trainer, donc je vais faire 45 minutes à peu près. 45 minutes d'home trainer et ensuite mes blocs de course. J'avais fait 6 fois, 8 fois 2, 8 fois 2 minutes de course. Et voilà, ben on reprend un peu la course après le vélo, juste là pour le kiff, hein, pour les sensations, pour revoir un peu ce que ça fait, se remettre en mode triathlon. Voilà, je sais pas, mon esprit là, il est positif, donc on essaie de repartir sur du positif. Bref, c'est parti, 45 minutes de home trainer, je vais voir si je fais une séance ou si je fais du libre. Ça risque d'être du libre à mon avis, on est lundi. Et feu! Ça y est, le vélo c'est terminé. Pro training Movistar, un truc comme ça. Par contre, j'ai l'impression d'être branché dans le futur. Oh, je débranche mon vélo là pour rebrancher le tapis là pour aller pouvoir courir. C'est très technique. Bon, on a enfilé les chaussettes. On va mettre les running et c'est parti, hein. Parce que vélo terminé, 150 et quelques watts. Je vous ai mis, de toute façon, c'était un truc avec grave de fractionné, c'était très dur. Genre 245 watts pendant 2 minutes, une 30 de récup, une 30 245 watts, une de récup, une à 245 watts, 40 secondes de récup, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, deux blocs comme ça. Donc ça pique. Allez, on va courir. Ça y est, on finit 9 fois 2. Zéro douleur, elle est belle. Elle est belle, elle est un peu trop belle même. Je commence à m'imaginer des trucs dans ma tête. Genre le marathon, ça peut le faire. Des trucs comme ça. Alors qu'il faut pas. Je suis le protocole tranquillement. 9 fois 2, allez, c'est tout. Premier jour terminé. Je suis content. 45 minutes de vélo est dur. Hein. Vraiment, le vélo, je me suis éclaté. De toute façon, ça va être que ça là pendant. Jusqu'à la date du marathon. Pour pouvoir travailler justement ben, mon endurance musculaire, mon souffle, enfin mes jambes, tout. Je peux le faire que sur vélo parce que là en soi j'ai fait 9 x 2. Mais 9 x 2, bon, bah, c'est vraiment pour de la réhabilitation quoi. C'est pas ça qui me fatigue. Donc faut que je me fatigue sur vélo pour fatiguer les jambes au moins. Quand je fais la natte aussi, c'est bien pour le souffle, pour tout. Mais je pense que le vélo c'est le meilleur complément de toute façon là que je peux faire actuellement. Donc là, parfait, je suis très content de cette journée. Grosse séance à vélo et les 9 x 2 qui sont passés, donc je pense qu'on va passer au bloc de 3 demain. De toute façon, il n'y a pas le choix. Au pire, je vais forcer, on va passer au bloc de 3 demain. Parce qu'il reste que 10 x 2. Mais je vais pas, enfin, j'ai fait 9 x 2, je ne vais pas faire 10 x 2, quoi. Je passe à 2 x 3 ou 3 x 3, je ne sais pas ce que c'est, on verra demain. Parce que demain, kiné, et on va voir après selon le dispositif de la journée, mais kiné, course, du coup, renfo et tout. Tout le tralala. Allez, ciao, à demain. Salut à tous, mercredi, donc troisième jour de cette 25e semaine. On va courir, je devais faire du vélo, mais j'ai la flemme de faire du vélo là, donc je vais continuer mes blocs de course. De toute façon, j'en ai 5 à faire par semaine, donc au lieu de faire la récup aujourd'hui, je la ferai vendredi par exemple, et vendredi, je ferai mon vélo. Donc ça va être très simple, c'est 6 fois 3 minutes. 6 fois 3 minutes, donc je suis content parce que ça fait 18 minutes de course effective, plus les minutes de marche entre, bien sûr. Et depuis le 31 octobre, j'ai pas couru autant sur autant de blocs, quoi. Sur des blocs aussi gros, pardon, sur des blocs de 3. Parce que, attends, ça fait quoi? Novembre, décembre, janvier, février. Non, pas février, 3 mois. Ça fait, ouais, 3 mois, 3 mois et demi que j'ai pas couru presque 20 minutes, quoi. Bon, ça reste des blocs de 3 minutes, mais on avance très bien. Donc, c'est parti, 6 fois 3, feu. Ah oui, et vu qu'on est en février et qu'on est à Toulouse, bah, on sort courir en t-shirt. Ouais, début février. Ouais. Ressenti doit faire au moins 20 degrés. C'est incroyable. Voilà, 10 fois mieux que sur tapis. Bon, allez, c'est fini. 6 fois 3. Magnifique, pas de douleur. Donc c'est bien, on avance bien. Ça fait déjà 3 courses cette semaine. 3 courses, un vélo. Donc logiquement, il manque 2 courses, un vélo. La natte, on va voir. Mais dans tous les cas, il manque 2 courses et un vélo. Et là, 6 x 3, bah, pas de douleur. Hein. Mais comme une sensation
de mobilité un peu réduite, quoi, dans le... C'est même pas dans la cheville, c'est dans le pied, quoi. Comme si le talon, il était un peu lourd et tout. Enfin bref, on va voir. En tout cas, magnifique. On se dit à demain. Passez une bonne journée. Salut à tous. Jeudi 15 février. Kiné ce matin avec 8 x 3. 8 x 3, donc ça m'a fait 32 minutes sur le tapis. Parce que ça fait 8 x 3, 24. 24 et 8, 32. Parce qu'il y a une minute de marche entre chaque bloc. Et ben, content, hein, pas de douleur, donc c'est cool. Un peu de renfort, mais très léger, parce que là, je suis fatigué. En vrai, lundi, mardi, mercredi, jeudi, course. Surtout qu'on a augmenté les volumes et tout. D'ailleurs, je voulais vous dire ça aussi, que c'est ouf, hein, mais 8 blocs de 3, ça pique un peu. Pourtant, je courais à 7,30 le kilomètre. Hein. 7,30 le kilomètre, et je commençais un peu à être... c'est la reprise, quoi. Je suis fatigué, quoi. Donc là, je suis content d'avoir le jour de repos demain, en course, et de faire la dernière séance samedi. Ce sera 2x4. 2x4, donc là ça va être un peu plus cool, même si c'est un bloc de 4 minutes, donc c'est plus long. Donc on va voir comment mon corps y réagit. Et demain, natation. Comme ça, je fais ma séance de nat. Ça m'aura fait bon, bah, une séance de vélo, une séance de nat, et 5 séances de kiné, renfo, course. Donc ça fait 7 séances semaine. On est quand même pas mal. Voilà, à demain. Bon, vendredi, aujourd'hui je vais rien faire. C'est simple, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours là, quand même intense, en renfo, en course, avec la séance de vélo, grosse séance vélo, bref. Tout, je sens que là, faut que je calme. L'objectif, c'est de se remettre. Du coup, ouais, rien aujourd'hui, et demain, la dernière séance de course à pied, ça aura fait 5 courses à pied et un vélo. Donc, c'est pas énorme en vélo et en natte, c'est même rien. Mais l'objectif, ça reste de pouvoir recourir un jour. On va pas se tromper d'objectif, faut pouvoir recourir un jour, donc rien aujourd'hui. Et on se voit demain pour la dernière course. On passe sur les blocs de 4, 2x4. Allez, dernière séance de la semaine. 2x4 ou 3x4, faut que je regarde là, sur le plan. Et c'est parti, on aura fini la semaine, on aura fait nos 5 séances de course. Donc il n'y a plus qu'à, samedi soir, feu, on finit. Comme ça, après, vite, je fais le montage pour que ça puisse sortir demain 9h. Allez, c'est bon, 2x4, c'était 2x4. Du coup, semaine terminée, c'est bien, pas de douleur. Donc on avance encore hein, dans le programme. On a bien avancé, hein. Putain, cette semaine. Bah, depuis l'infiltration, en fait. Hein. Depuis l'infiltration, en fait, c'est quelque chose. Hein. J'espère que ça va durer aussi, parce qu'il avait dit, hein, le médecin du sport, il m'avait dit que l'infiltration, ça pouvait durer 2-3 semaines, et après, la douleur pouvait réapparaître aussi. Et que là, du coup, il va falloir faire une intervention chirurgicale à la voir. On n'y est pas encore. On verra, allez. À la semaine prochaine.